Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Oui, frères et sœurs, bonjour. Venons de chanter gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Et nous sommes en ce temps de préparation à la Pentecôte, d'invocation à l'Esprit Saint. Oui, Seigneur, donne-nous ton souffle de vie, ton Esprit Saint. Les premiers chrétiens disaient que l'Esprit Saint était la main de Dieu, la puissance de Dieu, celui par qui Dieu le Père donne largement tous ses bienfaits, toute sa vie à l'humanité et à la terre entière. Avec le psaume 144 pour nos frères protestants, 145, eh bien, demandons au Seigneur Dieu, par Jésus ressuscité, de nous combler aujourd'hui de ses bienfaits et d'ouvrir, comme le dit le psaume, largement sa main pour nous combler. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour, je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand, le Seigneur, hautement loué, à sa grandeur, il n'est pas de limite. D'un jeune âge, on vantera tes œuvres, on proclamera tes exploits. Je relirai le récit de tes merveilles, ton éclat, ta gloire et ta splendeur. On dira la force redoutable, je raconterai ta grandeur. On rappellera tes immenses bontés, tous acclameront ta justice. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Oui, ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Les yeux sur toi tous, ils espèrent, tu leur donnes la nourriture au temps voulu. Tu ouvres ta main, tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. Que la bouche, que ma bouche, proclame les louanges du Seigneur, son nom très saint, que toute chair te le bénisse toujours et à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous arrivons, frères et sœurs, avec toute l'Église, en plein milieu, au cœur de ce livre des Actes des Apôtres, au chapitre 11, avec vraiment le grand tournant missionnaire.
Lecture des Actes des Apôtres, au chapitre 11, versets 19 à 26. En ce jour-là, les frères, dispersés par la tourmente qui se produisit lors de l'affaire Étienne, allèrent jusqu'en Phénicie, puis à Chypre et Antioche. Sans annoncer la parole à personne d'autre qu'aux Juifs, mais parmi eux, il y en avait qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, et qui, en arrivant à Antioche, s'adressaient aussi aux gens de langue grecque pour leur annoncer la bonne nouvelle: Jésus est le Seigneur. Frères et sœurs, voilà quelques versets, 5 versets, où nous est résumé vraiment le grand tournant missionnaire de l'Église. Les premiers diacres sont partis. Ils sont partis jusqu'à Samarie. Mais quelques-uns poussèrent plus loin, jusqu'à Tyre, Sidon, en Phénicie. Et quelques autres prirent le bateau. Ils allèrent jusqu'à Chypre, cette île, la première grande île de la Méditerranée. Et là, ils ont annoncé la bonne nouvelle de Jésus. Des Juifs de langue grecque, donc des Juifs de la grande diaspora, et qui étaient en phase avec la mentalité de l'époque, donc qui parlaient la langue universelle, qui était le grec, et certains le latin. C'est ceux-là qui partirent alors plus loin encore. Et ils allèrent jusqu'à Antioche. Antioche est cette ville, une grande ville, 500 000 habitants, qui est presque dans le coude de la Turquie. Et c'est là qu'ils arrivèrent, et c'est cette ville, Antioche, qui va voir la naissance de la première communauté chrétienne, de la première communauté pratiquement entièrement issue de souches païennes. Ce sont ces personnes qui ne sont plus les grands ténors envoyés par Jérusalem, mais les premiers chrétiens convertis, juifs convertis de langue grecque à Chypre, qui vont jusqu'à Antioche. Ce sont des gens de la base, ce sont de simples baptisés qui prennent cette initiative. Personne ne leur a demandé. Et ils vont jusqu'à Antioche. Et pour la première fois, ils ne parlent pas seulement de Jésus à des Juifs, mais comme il est dit, ils vont s'adresser aussi à des païens. Ils s'adressaient aussi aux gens de langue grecque pour leur annoncer la bonne nouvelle. Pour la première fois donc, on va parler de Jésus à des personnes qui n'ont aucune racine juive, donc qui ne connaissent rien de l'Ancien Testament, du Premier Testament. Ils n'ont jamais entendu parler de ces choses-là. Et voilà ce que ces Juifs convertis leur annoncent. Ils leur disent, la bonne nouvelle, c'est Jésus est le Seigneur. Jusqu'à présent, on disait Jésus est le Christ. Mais on pouvait dire Christ aux gens qui savaient ce que signifiait ce mot. Donc à des gens qui avaient des connaissances de la Bible. Le Christ, c'est loin du Seigneur, le béni du Seigneur, qu'attendait le peuple juif. Et là, pour la première fois, on a affaire à des gens qui ne connaissent pas ce mot. Le Christ ne connaissent pas.
Alors on leur dit, Jésus est le Seigneur. Le Seigneur. Mais qui était pour ces gens-là le Seigneur? Eh bien, le Seigneur, c'était le roi du monde. C'était l'empereur. L'empereur à Rome. C'était lui le Seigneur, le maître du monde. Et voilà que des gens venus de loin de Chypre, qu'on ne connaissait pas, des gens qui n'étaient rien du tout, viennent leur dire, non, 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 le maître du monde, ce n'est pas l'empereur. Le maître du monde, c'est le ressuscité. Et ces personnes accueillent un nombre assez important. Cette bonne nouvelle, mais totalement farfelue. Qui donc ose dire une chose pareille? Le maître du monde n'est plus l'empereur. Le maître du monde, c'est le ressuscité. C'est lui qui donne la vie et la vie nouvelle à tous. Voilà la bonne nouvelle. Alors Saint Luc se dépêche d'ajouter, la main du Seigneur était avec eux. La main du Seigneur était avec eux. La main du Seigneur. Mais qu'est-ce que donc que la main ou la puissance, selon d'autres traductions, ou la puissance du Seigneur? Eh bien, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus ressuscité, qui était avec eux. Et il y avait bien besoin de cela pour que les gens de la base, qui n'avaient jamais entendu parler de rien, se disent, mais oui, le maître de la vie, ce n'est pas l'empereur. Lui, c'est le maître d'une puissance terrestre, d'une puissance politique. Mais nous avons besoin d'un autre maître, un maître du ciel et de la terre, qui nous donne vraiment la vie en abondance. C'est le Seigneur, le Christ ressuscité. Un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. Frères et sœurs, j'aime ce mot. Ils se tournèrent vers le Seigneur. Y a-t-il meilleure définition de ce que c'est que le chrétien? C'est celui qui se tourne vers le Seigneur. Ce n'est pas d'abord quelqu'un qui obéit à une loi, des commandements, qui a une sagesse différente, qui a une pratique différente. Le chrétien, c'est celui qui se tourne vers le Seigneur. C'est lui, le maître de la vie. Un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. Alors la nouvelle parvint aux oreilles de l'Église de Jérusalem, et l'on envoya Barnabas jusqu'à Antioche. Et oui, il parvient aux oreilles de l'Église à Jérusalem que quelque chose se passe à plus de 400 km de là au nord. Des gens deviennent chrétiens. Et on s'inquiète, comment devient-il chrétien? Comment ça se passe? Mais pour la première fois, frères et sœurs, on ne leur envoie pas non plus un apôtre, on leur envoie Barnabas, lui-même, un des premiers chrétiens convertis de Chypre. Alors Barnabas arrive à son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Et voilà la bonne nouvelle, frères et sœurs. Barnabas ne vient pas pour juger, pour se demander est-ce que c'est bien ce qui se passe là. Il regarde l'œuvre de l'Esprit Saint. Il regarde des frères et des sœurs qui se sont attachés à Jésus, des frères et des sœurs remplis eux-mêmes d'Esprit Saint. Il regarde les fruits que produit dans la vie des gens l'accueil de l'Esprit Saint. Et il fut dans la joie. C'était en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint
et de foi. Quelle chance! Quelle chance! Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tarse chercher Paul. Mais oui, parce que cette foule considérable ne connaissait rien à la Bible, ne connaissait rien à Jésus. Et il fallait tout leur enseigner. Qui allait faire cela? Qui allait leur faire le catéchisme? Et il partit et se rappela que 6 ans avant, un certain Saul de Tarse s'était converti. Et on avait un peu perdu sa trace. Il était rentré chez lui, dans sa ville natale, à Tarse. Il se rappela de Saul et il partit le chercher. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Et pendant toute une année, ils participaient aux assemblées de l'Église. Ils instruisirent une foule considérable. Et c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Frères et sœurs, franchement, quelle richesse en quelques versets. Voilà donc que Paul arrive à Antioche avec Barnabas. Et pendant une année entière, ils participent à l'assemblée le dimanche. Et ils enseignent, ils racontent la Bible, ils racontent l'œuvre de Dieu dans toute la Bible. Et il leur raconte l'histoire de Jésus et comment il a été crucifié et comment il est ressuscité. Il leur enseigne tout ce qu'il a fait à travers la Galilée, la Samarie et la Judée pendant toute une année. Frères et sœurs, parions que ces messes dominicales-là n'ont pas duré 3 quarts d'heure, mais que les gens ont pris un peu plus de temps pour se laisser enseigner et apprendre toute l'œuvre de Dieu dans l'humanité. Parions qu'un jour, dans nos pays par ici, il se passera à nouveau la même chose pour toutes ces générations de jeunes et d'enfants qui n'ont pratiquement plus entendu parler de Jésus ni de la Bible et qu'il faudra et qui voudront à nouveau entendre parler de tout cela. Parions que les dimanches matins seront vraiment, non pas des petites messes à la vitesse grand V pendant 3 quarts d'heure, mais des dimanches matins d'évangile où on prendra le temps d'enseigner, de découvrir et de se tourner dans l'Esprit Saint vers ce Jésus. Et c'est là que pour la première fois, ceux qui suivent la voie reçurent le nom de chrétien. Je n'aime pas, frères et sœurs, ce nom de chrétien, mais je préférerais tellement que l'on dise le sens vraiment original des chrétiens, oui, des gens attachés à Christ, des chrétiens. Prions ensemble, frères et sœurs, aujourd'hui, de tout notre cœur, de toute notre foi. Prions avec l'Église entière, afin que nous soyons à nouveau dans notre monde d'aujourd'hui, ceux que l'on appelle les chrétiens. Supplions le Père d'écouter Jésus, toujours vivant, qui intercède pour les hommes. Dans ton amour, souviens-toi de nous. Dieu, Maître de la vie, restaure-nous l'image de ton Fils, que nous devenions en lui des créatures nouvelles. Détruis les germes de mensonges, que nous vivions dans la vérité du Christ. Donne-nous d'abattre les murs qui séparent et de bâtir la ville où tous ensemble ne font qu'un. Change notre cœur de pierre en cœur de chair, que nous renaissions d'en haut dans l'Esprit Saint. Et résumons, reprenons toute cette prière, frères et sœurs, pour tous,
dans la grande prière de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et associons Marie, la mère de Jésus, à la grande œuvre d'évangélisation, celle d'il y a 2000 ans, celle de tous les 2000 ans d'histoire de l'Église, mais surtout, frères et sœurs, l'œuvre de l'évangélisation d'aujourd'hui. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes. Et Jésus, ton enfant, est le béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous tes enfants, maintenant et à l'heure de notre naissance. Amen. Simplement aujourd'hui, frères et sœurs, d'abord une très bonne nouvelle. J'ai reçu hier soir, en ouvrant ma boîte aux lettres, il m'arrive de n'ouvrir que le soir, excusez-moi, de trouver un paquet, d'ouvrir le paquet. Il vient de Suisse, et dans ce paquet, il y a 40 magnifiques masques. Ils ont été fabriqués et envoyés par Françoise, notre cousine, qui vit en Suisse à Stralden, à l'entrée de la belle vallée de Zermatt. En tout cas, merci Françoise. Merci à toi et merci à tous les autres sœurs qui ont fabriqué et fait parvenir au presbytère les masques. Il y a donc actuellement au presbytère une 50aine de masques. Si vous en avez besoin, chers amis, n'hésitez pas. Venez sonner au presbytère. Je suis là tous les matins et toute la matinée. Venez chercher les masques dont nous avons besoin et dont vous avez besoin. Merci encore, Françoise, et à toutes les autres sœurs qui ont fabriqué et qui continuent à fabriquer des masques. Ce soir, à 18h30, nous célébrerons l'Eucharistie ici, à l'Église. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, demeurez, soyez, grandissez, vivez cette journée dans la paix et dans la joie du Seigneur. Amen.